Cette année, puis je vous le dis en plein dans le mille, ça va être Saint-Comban Bleu, la fête au village. Donc, pourquoi la fête au village? C'est de rassembler tous les gens, faire ça comme si c'était dans une cour et naturellement agrandir le cercle avec tous les gens des alentours qui vont venir voir le spectacle et l'événement. En même temps, c'est de créer ça, puis cette espèce d'happening-là comme si c'était dans ta cour. Fait que quelque chose de très intimiste, mais en même temps que les gens très rassembleurs. Ça, je trouve ça bien motivant d'essayer de trouver une formule où il y a un peu de trad, un peu d'interprétation, trouver une façon que le monde leur dise ça encore une fois. Tu sais, qu'ils soient contents de la fête, je pense que c'est ça qui est le plus motivant. Que le monde soit heureux de cette journée. Mais un des défis, c'est que tu as plusieurs bandes dans la même journée. Ils viennent jouer et c'est beaucoup de monde. Là, des fois, il y en a qui sont quatre, des fois, il y en a qui sont cinq. Il y a des guitares électriques, des guitares acoustiques, des batteries, d'autres pas de batterie. Un groupe traditionnel, c'est d'essayer de faire en sorte que tous ces artistes-là qui s'en viennent ici, ils soient confortables puis heureux, eux autres, aussi, de venir ici puis de repartir en disant, c'était le fun dans Tabarouette d'être ici. Fait que je donne un exemple, c'est-à-dire, il n'y aura pas trois drums différents sur stage, trois batteries. Il va en avoir une, mais il faut trouver laquelle des une qui va être là, des bandes qui veulent avoir absolument leur drum. Dans le challenge, il y a la programmation, il y a la recherche des musiciens, que Claude a beaucoup contribué à aller chercher les gens, la disponibilité des gens, la disponibilité aussi du groupe technique, de ceux qui vont organiser, parce qu'il y a le show, il y a la programmation musicale, mais il y a tout autour. Et ça aussi, c'est un challenge pour tout le monde qui s'implique dans ça. Et j'aimerais aussi souligner que tout ça se fait de façon bénévole. Puis les gens qui mettent leur cœur sur la table, puis qui se retroussent les manches pour le faire, ben moi, je trouve que c'est une... C'est un gros défi. C'est un gros défi. Si on déborde la programmation, ouais. C'est un gros défi pour tout le monde. Ouais. Toi, là, qui es derrière la caméra. Et voilà. Si la Saint-Jean-Baptiste existe, à Saint-Combe ou ailleurs, mais là, on parle de Saint-Combe, ben c'est grâce aux commanditaires, grâce aux bénévoles, puis grâce à ces artistes-là aussi qui viennent, ouais. Qui sont pas tout le temps... C'est presque du bénévolat aussi qu'ils font pour certains. Moi, ce que j'ai à dire, c'est que Barda, le concept de musique, une espèce de, excusez l'anglicisme, mais le « get together », ou que à la pièce, ils se prennent des musiciens pour créer un événement, je trouve que ça me fait triper. Ça me fait triper parce que, de toute manière, peu importe la composition du groupe, c'est des musiciens hors pair, c'est des professionnels. Donc, eux-mêmes s'amusent à nous emmener un programme. C'est pas rare que pendant qu'ils font leur prestation, qu'il y en a un qui lève la main et dit « Hey, toi, un tel Bordelot, un Thériault, un Morin, un Venn, venez donc à ce stage, puis venez accompagner Barda pour une pièce ou deux. » C'est pas rare qu'on va voir ça. Puis ça ajoute à la fête au village. Ben moi, ce que j'ai à rajouter de façon spontanée, c'est que venez à cette fête-là parce que ça va être une, sinon la meilleure fête nationale qui va se passer à Saint-Côme. Donc, venez fêter au village. Dans la Naudière. Dans toute la grande Naudière. De toute façon, moi, il y a des gens qui sont venus voir pour me dire qu'il y avait une fête à leur village, mais ils s'en venaient fêter ici. Et voilà. Je suis désolé de le dire, mais je n'aimerais pas le nom parce qu'évidemment... Pour protéger les innocents. Nous, on est comme des animateurs, dans cette affaire-là. Oui, c'est en plein ça. Nous autres, on est des animateurs. Nous autres, on est des animateurs. Hein? Oui, on a tout un challenge, moi qui brûle. Oui. Hein? C'est vrai qu'on a un challenge, mais en parlant de challenge... Oui. Ça marche en pop, ça marche. T'es en train de faire un jeu de mots, t'as fait? Salut, on s'en va, ben. Attention à tout le monde.